Question machine là, c'est pas les bagages rapport avec le président Le Vaillant. Pour qui ça? Parce que c'est deux machines que Palais National mettait à la disposition de président de chambre, plus président de cassation. Et nous avons discuté ça déjà avec Premier ministre Conning, que pour mettre deux machines confortables, comme nous n'avons pas de la sous-budget, nous, que Palais National a des machines disponibles, il mettait autant que le président Préval, sous gouvernement président Préval, là, il y a deux machines à la disposition du Parlement. Tu as gagné un Toyota Land Cruiser, on sort les requins, tu as gagné un Tibus, jusqu'à présent qu'il a toujours. Donc ce n'est pas pour la première fois que la présidence a mis de machines, de matériel à la disposition d'autres pouvoirs. D'ailleurs, c'est du matériel de l'État. Donc même ça, comme Bada voulait que la société a comprenne, ce n'est pas avec une idée pour faire, comme si le président Martelly voulait corrompre le monde ou bien le président Le Vaillant pour le cap en position X, Y, Z qui fait la machine. Non, ce n'est pas ça. Donc machine n'a pas pour Le Vaillant. Les machines à la disposition du président de chambre députée, ces machines qui sont à disposition du président Sénat, ces deux machines qui sont à disposition du président Cour cassation. Donc, je pense que le débat ça fait même pour que nous ne nous pas rentrer dans la question de parler de bagarre de terre à terre. Donc, je pense que là, il n'y a pas de vaut la peine pour que nous pas exposer ça au grand public. D'ailleurs, que machine pour le Palais national, que pour la Chambre des députés, ces machines l'État, ce trésor public qui finance. Donc maintenant, on pouvoir capable d'utiliser matériel de notre pouvoir pourvu que nous fait travail pays. Donc, je pense que là, nous avons campé ce dossier pour nous faire mal. Mais cependant, ce n'est pas avec aucun objectif que nous avons le président Machine. D'abord, le président Machine n'est pas pensé qu'il est dans l'idée pour besoin de monde. Au contraire, je pense que c'est le dialogue sans tente que nous avons cherché pour nous capable de faire PRH. Exactement, pouvoir exécutif là avec d'autres. Pas blé, que c'est le pouvoir exécutif qui a les moyens. Et on me dit que sous président Préval, tu as une machine que le Palais national t'a mis à disposition du Parlement. Tu as un Toyota, un Tibus qui est là jusqu'à présent. Donc maintenant, et nous-mêmes, nous demandons formellement avec le gouvernement passé pour que le président de la cassation soit pas capable de passer nos machines qui sont pas confortables. Président de la Chambre des députés. Donc maintenant, comme c'est le Palais national qui a une machine, n'importe qui s'est capable de gagner tout, ils mettent à disposition du Parlement, ils mettent à disposition Cour de cassation. Mais ce n'est pas deux machines qui sont à disposition au monde pour faire des bagailles, pour un pouvoir, pour l'autre. Donc l'idée, ce n'est pas ça. Donc c'est bien malheureux de passer comme ça. Donc maintenant, nous rectifions. Et ça, la discussion, ça a fait déjà, depuis sous premier gouvernement, très assez de Le Mercier, qui était premier ministre, qui était alors ministre des Finances, c'était Gary Conning qui était ministre, et qui était premier ministre. Donc ça n'a aucun rapport avec le président Le Vaillant, avec le président Martelly. C'est le bagage qui est normal. Qu'une institution capable de prêter un institution matériel pour mettre pour faire travailler l'État. Question qui se met là encore sur l'autre histoire pour ça. Parce que moi, l'on a gagné une subvention. Moi-même, si je fais pas dans la carrière, au commandé qui bombe 20 cobs, beaucoup d'entre eux 20 cobs, moi 5 jazz. Je ne pas comme ça. Maintenant, c'est une institution qui demande une subvention qui gagne. Pour ça, parce que la subvention est à la discrétion de monde qui a bailé. Parlement doit gagner un rubrique de subvention. On élève l'école, on demande le bailé. Tout comme dans le cas du président, il doit. Après, on fait la CAELI et puis Palais National dit que je participe dans le fait que tant que planification qu'a fait, tant que intérieur qu'a fait, n'importe quel monde qu'a fait. Mais ce n'est pas aucune barre là-dedans pour dire que le président Martelly a acheté le président Vivant. Pas ça du tout, son mauvaise perception liée. Au contraire, le rapport qu'il a supposé gagner entre pouvoir, il a supposé beaucoup plus harmonieux pour nous permettre que nous capables de régler des bagages pour le pays. Je veux dire, le pays n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de sa capacité dans la cuisine, non. C'est manger à pour vendre pour qu'il vienne sous table.